Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Est-ce que j'ai une connexion de crop? Ah, Peut-être, je ça y est, on est en sais live, rien. les mecs. Ça marche. Oh! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et... Alors, je crois que c'est peut-être parce que j'ai une connexion pourrie là aujourd'hui. Je ne sais pas. Bon, les fumiers! Oh! Alors, je crois que par contre, on a du décalage. Un sacré, ouais. Je crois qu'il y a un sacré décalage, les mecs. Ouais. Alors, je crois que par contre, on a du décalage. Oh là là là. Ouais, bon, les mecs, je ne sais pas pourquoi il y a eu un petit problème au démarrage. Mais bon, c'est pas grave. Là, c'est passé. Enfin, je pense. Mais ouais, je crois que ma connexion, je sais pas pourquoi, elle a l'air de déconner aujourd'hui. Alors, c'est peut-être pour ça. Et peut-être qu'il va y avoir quelques lags pendant le live. Je ne sais pas. On verra bien. Bon, en tout cas, je suis avec Je suis noir. Ouais. Bravo. Bravo. N'hésite pas à parler bien près du micro quand tu parleras. Ouais. Du coup, bah voilà, il est venu nous rendre visite. Hein. Bon, en tout cas, je vous préviens, les mecs. Moi, je suis fatigué d'hier soir hein, parce que c'était chaud hier soir. Toi aussi, t'es fatigué d'hier soir? Ah, et je sais, c'était chaud, les mecs. Hein. Ah ouais, il était chaud. Un problème de contraste. Lui qui est très sombre. C'était une blague, t'as compris la blague? Voilà. Bon, est-ce que vous, ça va niveau son et tout? Bon, en tout cas, voilà, ça sera pas. Hein, vous attendez pas un live où qu'on va genre sauter dans tous les sens, hein, les mecs. Hein. Ah, on est là en mode tranquille ce soir. Hein. On va papoter tranquille, voilà, on est chaud. Oui. Puis c'est tout. Hein. Moi, je vois peut-être un peu aussi. Tu veux quoi? Tu veux trogner? Non, Ah. non. Oui, nickel le son. Tiens. C'est Cette bon. vidéo est raciste, ouais. Bah. Ouais, alors, dites-vous que depuis hier soir, les mecs, j'ai dû recevoir, je sais pas, peut-être une dizaine de messages disant comme quoi que ben, j'étais raciste, que j'étais quelqu'un de pas gentil et tout, tu vois. Alors que moi, j'ai rien fait de mal hier soir. Hein. C'est vous qui avez fait les trucs pas bien, c'est pas moi, les mecs. En fait, hier, on a raid un youtubeur qui est chinois, tu vois, je crois, asiatique. Et apparemment, ils ont mis des trucs dans le chat, mais moi, je l'ai même pas vu en vrai. Ça, no fake, hein. Et du coup, apparemment, ils disent que je suis raciste parce que mes abonnés ont mis des trucs racistes, tu vois. Trop bien. T'aimes bien Enzo? Enzo! Parce que hier, c'est pareil, on a raid un gars, et ça, il s'appelle Enzo, le gars. Et Enzo, c'est vraiment un prénom de kikou, quoi. Ouais, c'est chaud quand même. Et du coup, pendant je sais pas combien de temps, les mecs, j'avais plus la notion du temps, hein, quand j'étais rogné hier soir. Ouais. Pendant je sais pas une demi-heure, j'étais Enzo! Et puis j'étais mort de rire, tu vois. T'as même pas sorti le katana, donc il s'est rien passé. Ouais, c'est ça. Enzo! Voilà. Bon, bah sinon, ça fait quoi depuis hier soir, les viewers? Vous êtes chaud, quoi. On a été au tacos avant de faire le live. Ouais, c'était bon, hein, bien Ouais, mangé. on a bien mangé. Il a Putain, pris un tacos au poulet. ouais. Non, en vrai, il a pris trois viandes, mais il y a du poulet Ouais, il y dedans. avait du poulet quand même. Moi, j'ai pris un double cheese car ils sont trop trop bons chez eux. Combien pour les pieds de Je suis noir? C'est 100 € les pieds de Je suis noir. Pourquoi les pieds? Parce qu'ils aiment beaucoup les pieds. Hein? Bah, elle t'a pas raconté, Marion, que pour 100 € elle devait montrer ses pieds? Et qu'il y a eu 100 € qui est tombé pour elle? Ouais? Ouais. Mais du coup, elle a feinté, elle a juste montré un pied avec une chaussette. Ah. Oui. Ouais. Parce qu'elle voulait pas montrer son vrai pied. Ah. C'est nul. Est possible de voir les pieds de Je suis noir? Ça, ils vont faire que ça maintenant. Ils vont que parler de tes pieds là. Est-ce que les pieds de Je suis noir sont noirs? Leur dis pas. Hein. Faut pas le dire. Il faut garder le mystère. Oh, t'inquiète. T'inquiète. Je suis la vérité en vrai. Ouais. Mon Dieu. C'est l'égérie de Monsieur Propre en Afrique. Ouais. C'est vrai. Voilà. Tout à fait. Exactement. Ouais. Tu fais de la muscu, je suis noir, ou c'est à force de claquer le. Oh, fumier, va arrêter de dire des À force de conneries. claquer quoi? Des culs que tu as, ces biceps. Ah, les deux. Les deux. Ouais. Bah, dis pas ça parce que c'est ma petite sœur avec qui tu sors, fumier. Ah non. Le malaise. T'inquiète. Le T'inquiète. malaise est intense. Oh. Hier, j'ai fait des canulars téléphoniques. J'ai créé des malaises, mais incroyable, c'était trop bien. Ça. Il y avait un canular qui était trop drôle que j'avais fait. C'est, j'avais appelé pour des tenues de. Non, c'était une licorne magique pour enfants, tu vois. Ok. C'est pour petites filles. Ouais. Et du coup, moi, je lui ai dit, je demandais si sa petite fille pouvait l'essayer devant moi pour voir si ça marchait bien, tu vois. Et du coup, elle a dit, oh bah oui, si vous voulez.
Et moi, du coup, après, je lui ai dit, ouais, et elle sera habillée comment, la petite fille? Je Oh lui la ai demandé. Et chasse, elle m'a répondu, ah, mais vous êtes cinglé! Et puis elle a c'est raccroché, tu vois. C'était trop drôle, les mecs, c'était trop drôle. Ouais. Coucou les habitués, au fait. Hein. Désolé, je suis trop fatigué pour passer en revue tous les habitués, mais coucou à vous. Hein. Parce que la tradition, c'est qu'en début de live, en ce moment, c'est que je dis bonsoir à tous les habitués. Voilà. Comme ça, ceux qui sont pas habitués et que c'est des infidèles, eh ben ils se sentent insultés. du coup, il se fidélise. Voilà. Alors, les mecs, ceux qui me suivent sur Twitter, est-ce que je vous le dis tout de suite? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh, si je vous le dis tout de suite, c'est pas grave. Hein, hier soir, on en a parlé, les mecs. On va faire des t-shirts. Et ça y est, il y a un t-shirt qui est disponible, les mecs. Je leur donne le lien ou pas, tu penses? Oh oui. Parce Oui, tu peux. que, en fait, moi j'hésitais entre. Parce que je m'en suis commandé un et j'hésitais à attendre de le recevoir et de vous le présenter en live, le t-shirt. Mais bon, au final. Oh, tu peux, hein, c'est le moment, je pense. Ouais. Voilà. Parce qu'en fait, le truc, c'est que les mecs. Attendez, déjà, je vais vous l'envoyer, le t-shirt. Alors, attendez, comment que ça marche? Vous allez voir, il est super trop cool. C'est vrai. Voilà. Hop, regardez, je vous envoie le lien. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que il n'y en a que 30 des t-shirts. Et encore, il y en a 4 qui ont déjà été vendus parce que j'ai déjà fait une pub sur Twitter. Ça fait qu'il en reste que 26, les mecs, les t-shirts. Coucou Céleste. Il y en a que 26. Et le t-shirt est quand même super beau, tu vois. Il est fait avec amour. Et alors, du coup, pourquoi il n'y en a que 30, vous allez me dire? C'est tout simplement parce que j'aime bien garder ce côté un peu élitiste, que ceux qui auront le t-shirt, bah, il n'y en a pas beaucoup, et du coup, ça serait la classe pour eux de l'avoir, ce t-shirt, tu vois. Hein, parce que Ouais, si je vois. il est vendu à les 5 millions d'exemplaires, hein, je dis un chiffre comme ça, je veux dire, on s'en fout si quelqu'un a ça à faire comme les t-shirts Levi's. Oui, c'est plus attirant quand il y a. Quand Ouais, c'est rare. quand c'est rare, ouais, bien sûr. Ah, parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a beaucoup de jeunes qui portent des t-shirts Levi's. Ouais. Ah, tu sais, c'est le t-shirt blanc avec écrit Levi's là et un encadré rouge. Ouais. Et du coup, bah, on se moque un peu des gens qui portent ces t-shirts là, tu vois. C'est un peu mouton. C'est un peu Ça. mouton. Red by Super Infini. Ah, il me raid. Ah, bah merci, Super Infini. C'est gentil. Ton t-shirt, c'est de la merde. Ah, merci, Super Infini. Ça me touche que tu dis ça. Ouais. Non, mais bon, c'est. Voilà, on va dire que c'est pour vous faire plaisir parce que ça fait longtemps que vous me réclamez des t-shirts. Au final, ça me coûte rien de le faire. Hein. Je me fais un petit bénéfice. Puis je pense que ça va vous faire plaisir parce que. Train de le faire, hein. Je me fais un petit bénéfice. Je pense que ça va vous faire plaisir parce que ça, c'est vraiment le type de t-shirt que tu vas porter quand tu te trognes avec tes potes, tu vois. Ah, Même parce dans la vie que. de tous les jours, hein, Ouais, dans même dans la vie l'entretien de tous de les jours, bien gauche. sûr. En entretien d'envol, exactement. Ah, pas de souci, hein. Allez. Exactement, regardez, je vais vous le montrer. Il est où? Voilà, c'est celui-là, regardez. Regardez. C'est la fête des rogniers. Immeuble en rogne. Alors, j'aime bien parce que ça fait un petit jeu de mots. Immeuble en rogne, c'est genre, il peut être énervé. Mais immeuble en rogne, c'est-à-dire qu'il s'entraîne de se rogner, tu vois, que le rognage est en cours, tu vois. Ah, parce que pour ceux qui connaissent pas, il y a le t-shirt La fête des voisins, c'est une parodie de La fête des voisins. Donc voilà, je trouve ça sympa, j'aime bien. Voilà, bon, il est vendu 19 euros. Après, je vous cache pas qu'il y a des frais de livraison et puis des frais tout court hein, de Ulule, de Utip, pardon. Mais ça reste raisonnable. Oui, c'est de la qualité, hein, attention, hein, c'est de la qualité. Voilà. Bon, bah voilà, si vous le voulez, dépêchez-vous. Ah, qu'est-ce que c'est devenu commercial, Clash of Jackie, que je raconte, Clash of Jackie. C'est fini, Clash of Jackie, les mecs. Hein. Ah, tu m'étonnes. C'est pourri, Clash of Jackie. Ouh, Clash of Jackie, ouh. Tu trouves pas ça nul, Clash of Jackie? Bon, non, c'était bien, c'était. C'était bien? Quoi, c'était. Ouais, non, c'était franchement, c'était sympa, mais oui, c'est bien d'avoir changé quand même. Ouais. C'est. Voilà, ce que j'aime bien, c'est voilà, c'est le contact avec les spectateurs, tu vois. C'est trop cool. Ah, les spectateurs, c'est vrai. Ils vont me répondre, non, t'es qu'un gros fils de pute. On est juste là pour te voir boire. Bah après à la limite ça va, c'est bien parce que tu fais quand même les deux Oui, dans ça, tous les cas, ouais. donc bon Oh, bah, à la pas tous les limite. lives, mais Non, pas ouais. tous les là, ouais, c'est Ouais, sûr. ouais. Mais au moins Ce t-shirt est parfait pour casser des chiottes ou se battre. Ouais, parce que j'ai le t-shirt. Attendez, je vais vous le montrer. Regardez. Attends. vas-y. Eh bien.
Salut les mecs. Regardez, ça c'est le t-shirt original en fait. Voilà, ça c'est la... ça c'est le t-shirt original, la fête des voisins. Et nous on a fait du coup la fête des rogniers. Ah. Voilà. Et c'est quand même fidèle au t-shirt qu'on fait, qu'on vend. Hein, t'as vu? Parce que ça c'est l'original, la fête des voisins. Ouais. Voilà. Ça c'est un t-shirt collector, hein, les mecs, il y en a très peu. Et surtout un t-shirt que j'ai beaucoup porté. Et vu que je suis une grande star, et ben ça a donné de la valeur au t-shirt. Hop. Oups là. Ouais. Un peu trop loin. je suis noir, chante, je suis noir, ouais mec, c'est payé. Non mais c'est pourri chanter comme ça les mecs. Y'a moyen d'avoir d'autres couleurs, réponse te plaît. Non j'ai mis que le blanc, car c'est là où il est le plus beau je trouve. Tu trouves pas? Ouais. Ouais, il est d'accord, ouais. Et oui les mecs. Est-ce que le monsieur noir aime bouffer des fions? Alors ça c'est une blague qu'on fait parce qu'en fait, quand je fais des raids, tu sais je les envoie sur des chaînes et puis je leur dis de dire dans le chat... si, il demande la question au youtubeur, est-ce que t'aimes bouffer des fions, tu vois. D'accord. Et tu sais, c'est tellement vulgaire et con que ça en devient drôle. Et tu sais, ils disent souvent, est-ce que t'aimes bouffer des fions? Réponse te plaît. Parce qu'en fait, quand tu es youtubeur et que tu vois quelqu'un qui met un commentaire dans le chat ou en vidéo et qui met réponse te plaît, c'est que inconsciemment, eh ben, tu répondras beaucoup plus souvent ce commentaire-là, tu vois, quand il met réponse te plaît. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon cas. Un mec qui met dans le chat réponse te plaît, c'est que souvent, bah, là, je vais me dire, il faut que je réponde, tu vois. Je suis en sueur un peu, il faut que je me dise, il faut que je réponde, en fait. J'ai l'impression que sinon, la Terre va exploser, les mecs, si je réponds pas. Ouais, et du coup, c'est pour ça, on met ça et c'est rigolo, je trouve. D'accord, ok. Alors, mais c'est raciste de faire qu'en blanc. Oui, c'est vrai, c'est raciste. Ouais. En plus, j'ai hésité parce que le site proposait aussi de faire en t-shirt avec des cols en V. Hein, les cols en V, ça, c'est viril, ça, les mecs. Hein. C'est vrai. Tu trouves ça viril, toi aussi? Genre un col qui descendait jusqu'au nombril. Ah ouais. C'est... avec le dessin coupé en deux, comme ça. C'est ce que porterait Jojo, en plus. C'est plus son style. Ouais, ça, c'est le style de Jojo, en vrai, les mecs. Jackie, tu vas bien? Réponse, s'il te plaît. Oui, bah, là, je vais bien. Oui. Mais un peu fatigué, je vous le cache pas, les mecs. Ce matin, quand je me suis réveillé, j'étais un peu en PLS. Hein. Je me suis bien rogné hier soir. J'ai bu 15 canettes Q sec hein, quand même. 15 ouais. Tiens, d'ailleurs, tu appelles ça comment toi? Une canette ou une bouteille? C'est genre une canette de Fingbro comme on boit nous. Non, j'appelle ça une canette. Parle bien dans le micro quand tu parles. J'appelle ça, j'appelle ça une canette. Une canette? Si c'est par exemple la... une bière dans une. Mais... oh putain. Et voilà. Bah, voilà. Une bière dans une. Mais laisse-le par terre, ça sert à rien. Il m'a cassé la chaise, hein. Elle coûte 100 euros. Ouais, bah. Tu me rembourses 100 euros. Ah, okay, je la réparerai au pire. Non, je disais, ou sinon, une. Tu sais, de la bière dans une boîte en alu, là. Moi, j'appelle ça une canette en fer. Mais effectivement, apparemment, le vrai terme, c'est une boîte. Ouais, normalement, ça s'appelle boîte. Ouais. Mais toi, t'appelles ça vraiment une boîte, du coup? Non, j'appelle ça canette aussi. Une canette en fer? Ou canette non, tout court? Non, juste canette. Canette tout court? Même pour. Même dans une bouteille, hein, j'appelle ça canette. Ouais. Pas chier, tu sais. Mais oui, normalement, c'est ça le vrai terme après. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y avait un truc qui m'a un peu piégé. C'est que par exemple, tu sais, les petites bouteilles de vin, genre de. T'as des bouteilles de vin qui sont de 33 centilitres. Ouais. Bah, ça, du coup, on devrait appeler ça une canette. C'est parce vrai. Que c'est que si on dit que c'est un petit truc, une petite quantité, c'est pas une canette. Mais c'est vrai, dans la logique, ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, moi, pour moi, une canette, c'est juste quelque chose qui contient de la bière. Hein. Quand c'est ça... la canette, si elle fait un litre, pour moi, c'est une canette. Ouais. Hein, c'est une canette. C'est la canette d'un litre, je l'appelle. Il est grave chelou, ce live. Mais c'est un live calme. Ouais. C'est pas qu'il est chelou, c'est juste qu'il est posé, c'est tout. Ça fait du bien, les mecs. Oh, je vais pas faire des lives comme j'ai fait hier soir tous les soirs, les mecs. T'es fou, je vais mourir si je fais ça. Ouais, c'est sûr. Ouais, t'as pas vu, mais hier, ouais, laisse tomber. J'ai pris des sutous, je me suis enroulé dedans et tout. J'étais trop chaud. Putain. Ouais, Jordan est égal Dieudonné, Jackie est égal Elise et Moon. Du coup, il manque plus que Daryl pour faire Franck Dubosc. Réponse, s'il te plaît. Oui, je réponds, s'il te plaît. Oui. Canette est égal à lui. Il y avait qui au live hier? Hier soir, j'étais tout seul. J'étais tout seul. Ouais. Et pourtant, quand je me suis levé ce matin, j'ai cru qu'on était 50 ici, laisse tomber. Il y a des canettes partout, des tutos partout par terre, de la fumée et tout. Putain. En fait, j'ai pris la machine à fumer, j'ai rempli l'appart de fumée. C'était trop bien.
Mais ta tenue de ninja, tu veux essayer la tenue de ninja? Ouais, Je peux te la vas-y. faire essayer. Vas-y, ouais. Non, je vais pas me dire, on protège quelqu'un Ah. ici. Bah, reste assis, hein. Vas-y, Ah, c'est bon. Reste devant le live. Cette tenue de ninja. Oh, j'ai oublié de mettre mon protège calvitie. Protège chez Lucie. Alors, comment ça marche le truc? Hop. Alors. Hop. Oh là 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 là. C'est compliqué ces trucs, les mecs. Donne. Allez hop. Oh là 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 là. Oh qu'il est beau. Oh Bonsoir. qu'il est beau le fumier. Oh qu'il est beau. Dans le menton, on va devoir sortir comme ça. Voilà. Voilà. C'est la merde Il en est vrai. maintenant, il est encore plus noir qu'avant, les mecs. Oh putain. Ah c'est bon. C'est la merde, non? Voilà. Il est purifié maintenant, exactement. Bonsoir. Ouais. Tu veux lire le Coran? T'as déjà lu le Coran ou pas? Non, courant, Parce non. que il a lu la Bible en fait. On en a parlé juste avant le live et tout. Ouais. Et il aime bien, t'aimes bien, tu m'as dit. Il y a un passage de la Bible qui t'a marqué? Parle bien dans le micro, avance-toi. C'était David et Goliath. David et Goliath. Ouais. Ah oui. David et Goliath. C'était le petit pied de géant. En Ouais. gros, l'histoire, si je me souviens bien, c'était. En gros, bah, de ce que je me souviens, c'était une histoire de courage. Donc le petit n'avait pas assez de. Pas assez de. Comment dire? Je crois qu'on lui avait volé ses terres ou un truc comme ça. Je sais plus, ça fait longtemps que je l'avais lu, mais. En gros, ça disait qu'à la fin, bah, il a eu la force de Dieu et a réussi à tuer le géant avec un Ouais. lance-pierre. Ouais, ok. La Bible, très bon science-fiction. Ah, ça. En gros, la leçon de ce truc, c'est que peu importe la taille de ton adversaire, il faut quand même se combattre, non? Ouais, Combattre. c'est ça, faut croire. Ouais, il raconte tellement bien cœur. Je crois que c'est un peu ironique ce qu'il a dit Ouais, un petit là. peu, ouais. Un petit peu. Non, c'était bien, Jordan, c'était très bien. Ok. Alors bon, moi je vais l'appeler Jordan, les mecs, hein, parce que je suis noir, c'est un peu long à dire. Bon, après, à part si tu préfères que je t'appelle, je suis noir. Non, peu importe, hein, je veux dire, ça me dérange pas, Comme quoi. tu veux. Ça me dérange pas, peu importe. Tu me fais bander dans ta burqa. Ah, Oh, tu dis m'étonnes. donc. Mais ce qui est marrant, en fait, hein, je repense à ceux qui m'ont insulté là depuis hier soir par rapport au raid qu'on a fait hier. Et ben, je vois que ceux qui m'insultent, c'était des Arabes, limite, je jure. Il y en a un qui m'a dit que j'étais raciste. C'est pourquoi je suis raciste, apparemment. Parce qu'en fait, quand ils s'abonnent sur la chaîne, t'as une musique avec un truc qui apparaît. Et la musique, c'est Bismillah. Et tu sais, D'accord. c'est juste une musique gentille et tout. Et ils ont dit que j'étais raciste, du coup. Juste pour ça, juste pour Ouais. ça. Quelqu'un peut s'abonner pour montrer à Jordan la musique. Parce que lui, il connaît pas les mecs. Mais c'est une musique qui reste dans la tête, en fait. Généralement, quand on l'écoute, on l'a dans la tête. T'es un petit facho, assume, petit pédé. Non, j'assume pas. Donc t'as traité, donc il t'a insulté. De Enfin, quoi? il a dit que t'étais un raciste à cause de Ouais, ça, quoi. à cause de ça, ouais. Wesh. Que des Putain. Arabes, le hasard. Ouais. Ah là là, mais ouais, j'ai aussi un mec. Je lui ai répondu parce que, en fait, il était plutôt gentil. Mais c'est que j'étais voir ses photos, c'est vraiment genre le mec. C'est un peu qui se fait victimiser à l'école et tout. Du coup, j'ai un peu de la peine. Mais à la base, il voulait un peu m'insulter. Mais voilà, je lui ai parlé gentiment. Je lui ai expliqué que c'était pour rigoler, tout ça. Je sais pas s'il a compris. Fais-lui écouter sur YouTube directement. Ouais, j'ai la flemme. Bon, attends, je vais le faire écouter. Vas-y. Ça se peut que tu l'as déjà entendu, hein, cette Oh, je musique. pense. Oui, le moyen. Bismillah. Ça, c'est de la vraie musique de nègre. Alors là-bas, c'est une musique pour enfants, mais elle est très cool quand même. Je vous la mets. Alors, attendez. Voilà. Alors là, c'est normal qu'il n'y ait pas de son parce que elle démarre. Ça te dit rien, ça? Attends. Aussi, je veux dire. Maman, pourquoi on doit toujours dire Bismillah? Parce que Bismillah. quand tu dis Bismillah, Dieu est avec toi et Bismillah. met la baraka dans tout ce que tu fais. Bismillah, Bismillah. Bismillah, Bismillah au C'est ça la nom musique pour les d'Allah. abonnés en question, ouais. Bismillah, Bismillah. Tu fais le karaoké? J'atteste que Dieu n'est qu'un. Non, c'est bon. J'ai faim, Non. je me
me lave les mains. Non, mais avant tout, je vais prendre un karaoké, mais là, je suis fatigué pour faire des trucs. Je me lève tous les matins. J'atteste que Dieu n'est qu'un. J'ai faim, je me lave les mains. Mais avant tout, bismillah, 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 bismillah au nom d'Allah. Bismillah, bismillah, in the name of Allah. Bismillah, bismillah, bismillah au nom d'Allah. Bismillah, bismillah, in the name of Allah. Voilà comment faire entrer une musique dans la tête de 272 personnes. Putain, vous êtes beaucoup sur la vache. Je trouve ça pas bien que vous soyez beaucoup, les mecs, parce que c'est vraiment un live vite fait et pas ouf, hein, donc vous allez être déçus. Tu leur dis de partir, du coup. Mais cassez-vous, les mecs. Cassez-vous de mon live, les mecs. Arrêtez de regarder. Ah, ouais. Est-ce que tu l'as dans la tête? Bismillah. Ouais, non, après, on n'a pas écouté en complète. Encore, mais... Si tu l'écoutes genre une ou deux fois en complète, généralement, t'as quand même, tu l'as dans la tête. Il n'y a pas de version en 10 heures. 10 heures ouais. Ah bah non, mais après tu la rembobine. Ouais. Rembobiner. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce mot-là quand même. C'est parce qu'on mettait, on utilisait ce mot-là pour les cassettes à l'époque. Mmh. Ah, t'as connu les cassettes? Oui, bah oui. Les cassettes audio et cassettes vidéo. J'ai encore un lecteur cassette là. J'ai ah ouais? Ouais, ouais. Ah, trop cool. Ouais. Parce que ouais, c'est que ça se fait rare ces trucs-là. Bah ouais, maintenant là. Ouais, c'est dur. Ouais. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, j'allais chez un pote et on avait des Action Man, tu vois, comme ça. Mm. Et genre, on prenait des cassettes et on faisait des bâtiments avec les cassettes, tu vois, on les empilait comme ça. Et en fait, on faisait combattre nos Action Man et genre, on les faisait voler sur les cassettes dans les bâtiments et on s'imaginait tout un film, tu vois, dans notre tête. Ouais, Action Man, ça c'était stylé. Ça, ouais, on s'imaginait des trucs de fou, tu vois. Tu m'étonnes. Alors qu'au final, c'était juste des boîtes de cassettes qui tombaient et. Oh, wow, putain, la vache. Il a défoncé l'immeuble et tout. Mais Action Man, attaque. Tu es étonné. Quand va-t-on purifier pour la prochaine fois? Ouais, parce qu'en fait, les raids, c'est de la purification qu'on fait à YouTube. Mm. Bah, la prochaine purification, les mecs, c'est le prochain live run, mais je ne sais pas quand. De toute façon, voilà, c'est une fois par semaine à peu près, les mecs. Ah. T'as connu les cassettes en Afrique? Ouais. Ils font des bisous. Il fait des bisous. On fait des bisous, oui. Action Man, c'était trop bien. Ouais. Mais est-ce que ça existe toujours, les Action Man? Ouais, je pense que oui. Tu peux retrouver. Oui, je crois que oui. Hein. Je pense que oui, hein. Ouais, oui. Parce que Barbie, ouais, ça, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Même les Ken, je pense que c'est sûr. Mais c'était quand même vachement bien. C'était quand même vachement connu, hein, Action Man. Donc, Ouais, c'était vachement connu, mais peut-être qu'avec le temps, finalement. Oh, si, ça doit quand même exister, je oui. Pense que si, ouais. Alors, ça doit encore exister, je pense, les fumiers. Oui. Oui. Allez Gorée, d'où je me casse. Ah bah tu peux partir. Allez mec, ceux qui attendent du raid ou de la rogne et tout, vous pouvez partir hein. Vous aurez pas ça sur les mecs. Là c'est juste tranquille, on papote en mode tranquille. T'avais Dr X? Non, non. J'avais que un Action Man. Ah si, ouais si, je l'avais moi. Tu l'avais toi? Ouais, ouais, ah j'avais, chance j'avais. Ouais, je suis trop jaloux. Oui, j'en souviens. Ouais, ouais. Oh putain, ouais. Je suis trop jaloux. Moi je me rappelle, on voyait souvent la pub avant Noël, des grosses voitures pour Action Man et tout. Ouais, je sais que je me souviens, le mien il lançait des filets et tout, c'était trop stylé. Ah ouais, ouais, bah, ouais, la chance. Ouais. Ah, j'étais équipé. Ouais, j'étais équipé bordéliquement. Ah, franchement, c'était pas mal. Red Run, bismillah. Non. Jordan, tu es de quelle origine? Réponse, s'il te plaît. Je crois que je suis obligé, du coup. Ouais, t'es obligé, là. Je suis Guadeloupéen d'origine. Guadeloupéen? Ouais. Ok. Après, si vous voulez, on peut activer le numéro de téléphone si vous voulez nous parler en live. On fait quoi? On l'active ou pas? Ah, alors, je te préviens, souvent ils sont relous. Hein. Oui, bah, souvent c'est oh fumier pendant 3 minutes. Hein. Ouais, vache. Ouais, bah, allez, vas-y, on va activer si vous voulez téléphoner. Si vous voulez parler avec Je suis noir et tout, c'est le moment, les becs. Alors, comment que ça marche ce truc? Oh putain, j'ai mal au dos. Wesh. T'as mal au dos? Ouais. Oh putain. Ouais, souvent c'est des malaises hein, aussi quand les gens ils nous appellent. Ouais, souvent c'est vachement malaise, tu vas voir. Je pense que vous allez, comme d'habitude, nous régaler. Hein. Allez. Ça n'a pas tardé. Ouais, négro. Oh. Au fumier. Au fumier. Au fumier. Au fumier. Ouais, c'est Smokey, ça va ou quoi? C'est qui? C'est Smokey 4, ça va ou quoi? Qui?
Smoky, Smoky. Bon, Smoky, bon, laisse tomber, tu te sourds ou quoi? Ouais, je voulais juste te dire un petit message, Spartak supérieur à toi, mec. Ok, alors lui. Alors, attends, c'était qui dans le chat? Il a dit Smoky, il a dit. Smoky, ouais. Parce que ceux qui disent ça, je les banne. Mais attends, là, je vais trop galérer à retrouver le fumier. Oui, allô? Allô? Ouais. Ouais, ça va? Non, et toi? Ouais, bonsoir, je suis noir. Oui, bonsoir, vas-y. Bonsoir. Salut. Salut. Ah. Je suis noir. Mashallah, mashallah pour le voile, mashallah. Pour la hijab. Mashallah. Voilà. Ça va ou quoi? Mais en fait, il s'est passé quoi hier soir? Parce que moi, j'ai quitté le live. Il s'est passé quoi? Tu l'as quitté à quelle heure? 22h, je devais aller bosser après. 22h, bah, je sais plus, j'étais rogné, on a fait des raids en fait, surtout. Ah, ok. Ouais. J'ai une question. Oui. Je suis noir, il bosse toujours à l'armée? Non. Je suis noir. Réponds-lui. Non, ah, il bosse plus. Suis... Ah, ok. J'ai fini. Il est monté à quel grade? Ah, j'étais brigadier chef. Ah, ouais, ici. Voilà. Ah, ouais. Bah, après, si vous voulez, il peut parler de ce qui se passait à l'armée et tout. Je sais pas si ça vous intéresse, bah, moi, le chat. Bah, moi perso, ça m'intéresse. Tu veux nous raconter ou pas? Ouais, tu veux savoir quoi en particulier? Bah, après, il fait comme il veut. Après, il fait comme il veut. Non, ah, mais tu peux parler de comment ça se passe pour quand t'arrives et tout. Enfin, comment tout se passe, les classes et tout. Attends, par contre, je vais arrêter Skype parce qu'en fait, je sais pas pourquoi la sonnerie elle continue de sonner, c'est chiant. Ouais, et j'ai une question aussi. Est-ce qu'il a subi du racisme dans l'armée? Parce que j'ai un pote qui a fait l'armée, il dit ça. Du racisme à l'armée, bah. Comment. Attends, il va y répondre, je vais juste couper Skype parce que sinon on va se faire flouder de trucs. Je sais pas pourquoi il y a le. Ouais, vas-y, pas de soucis. Ouais, merci pour ton passage, à plus. Allez, salut. Hop, alors attendez, je vais retirer Skype juste. Ouais, est-ce que t'as subi du racisme à l'armée? Du racisme, ouais, je pense que oui, parce que je dis je pense que oui parce que à la base je devais passer dans les premiers pour passer le VL, quoi, mon permis voiture. Et le truc, c'est que ils ont envoyé d'autres mecs qui sont arrivés après moi, hein. Ils ont fait leur classe et tout, ils sont arrivés après moi alors que moi j'étais déjà là depuis quoi un an peut-être. Et ils les ont envoyés eux au permis, moi ils m'ont mis sur un autre truc, une autre spé. Bon, bien aussi, mais c'est pas ce que j'avais demandé, quoi. Et je pense, j'en suis même sûr, parce que j'ai d'autres collègues qui sont arrivés la même chose, qui étaient un peu, qui étaient comme moi, soit métis, soit noir, soit rebeu. Et ils ont foutu sur des spé de merde, quoi. Alors du coup, bah, ouais. Du coup ça, du coup je pense que oui, il y en a eu. C'était, comment dire? C'était pas. Comment dire? C'était pas du racisme direct, tu vois, genre vraiment insulte et enfin tout ce qu'il y a dans le racisme de base. Là, c'était vraiment genre plus. Plus furtif comme ça, tu vois. C'était vraiment. Mais tu l'as ressenti comme du racisme? Ouais, ouais, parce que j'étais pas le seul à qui ça arrivait, donc. Et puis même sur plus de trucs, genre, je sais qu'on me faisait plus galérer que d'autres ou on me faisait faire plus de trucs. Des tâches à la con, genre des tiges plus que d'autres, pourquoi je sais pas, où j'étais pris plus souvent pour les tiges, alors que genre je faisais bien mon taf et tout, puis enfin, je manquais pas de respect ou quoi que ce soit, quoi. Mmh. Alors qu'il y en a, c'était 10 fois pire, mais. Ok. Ouais, non, c'était comme ça. Après, à proprement parler du racisme, je veux dire, je vais pas. Genre ça, honnêtement, je m'en branle, hein. c'est pas un truc qui me blesse quoi que ce soit. Mais je pense que ça devait être peut-être une forme de racisme, je sais pas. Bon, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Et bon, après, ouais. J'ai rien dit, parce que voilà, j'ai fait mes classes, j'ai fait mes affaires, et puis voilà. Mmh. J'ai quand même monté bichef, donc après ça, je veux dire, j'avais quand même une bonne place, donc. Ouais, voilà. Je vois. Non, après tout, non, c'était pas. Après, voilà, à part ça, j'ai eu des bonnes années, hein. Franchement, c'était bien. J'ai pu partir aussi quand même dans les... Faut le dire, hein, les choses qui s'est bien passé. Je suis parti dans les premiers pour aller dans les OPEX. Donc forcément, bah, après, l'argent, le revenu et tout, j'étais bien. Surtout, t'étais parti où? J'étais parti au Liban la première fois.
La deuxième fois, j'étais parti au Mali, j'étais parti 4 mois. Et puis après, j'ai fait quelques sentinelles. Alors, des missions de 2 mois, tu vois. Mais bon, après, voilà, tu vois, c'était sympa, quoi, quand même. C'était beaucoup d'expérience, et bon, on s'est bien marré aussi, quand même. Il y a des moments, c'était un peu chaud, parce qu'on n'était pas très, très bien logés. On dormait sur des vieux lits dégueulasses. On était dans des endroits, genre, un peu comme des SDF, tu vois. Ouais. Alors encore, je veux pas me plaindre, parce qu'on était mieux logés qu'eux, mais je veux dire, voilà, c'était pas Tu ouf. gagnais combien quand tu partais en OPEX? En OPEX, en fait, c'est opération. Extérieur. C'est quoi les initiales d'OPEX? EPEX. Non, mais je veux dire, ça signifie quoi? O Non, pour opération. opération. Ah, bah, opération pour le haut. Bah, OP, opération. Et puis EX, extérieur. Ah, d'accord, Et ok. puis OPIN, c'est pareil, opération et IN, Intérieur, quoi. intérieur. Ok. Donc là, c'est tous les sentinelles, quoi. Et tu gagnais combien quand tu partais comme ça en OPEX par Alors, mois? c'était mon salaire fois 2 ou fois 3, ça dépendait d'où j'allais. Et donc en gros, pour vous donner un ordre d'idée, j'étais à peu près dans les 3 000 euros par mois. Sachant qu'en plus, j'avais eu ma prime d'engagement le premier mois, du coup, non, j'étais tombé à une paye à 5 000 euros. À combien? 5 000 euros. 5 000. Ouais. Ouais. Donc là, c'était pas mal. Après, c'est beaucoup d'investissement quand même hein, quand tu fais une OPEX parce que tu pars de ton pays, tu quittes tous ceux que tu connais. C'est ça. Donc, c'est quand même quelque chose, hein. Bah, c'était la dernière opération, je me rappelle au Liban, c'était la dernière opération de 6 mois qu'on faisait, c'était le Daman 26. Et dernière opération de 6 mois pour les Français. Et puis, ouais, donc voilà. Bon, Et c'est sûr, ça rapporte, mais c'est. t'as trouvé ça dur ou pas, l'OPEX? Non, Au Liban. bah, en fait, non, c'est surtout que au début, je trouvais un peu le temps long. C'est après, vers la fin, que ça allait mieux, parce que je savais qu'on allait partir bientôt. Ouais. Et puis même, on avait des activités à côté. Les repas de Noël, par exemple, on les fêtait. Bah, c'était bien, on se rognait. Il y avait plein de trucs. Il y avait plein de trucs pour nous faire oublier qu'on était un peu partis, quoi, en fait, il y a des moments, tu vois. C'était vraiment genre. Au début, c'était un peu dur, je dis pas, c'est sûr, parce que c'est tout nouveau. Pour moi, c'était tout nouveau. Donc, moi, j'avais un peu de mal au début. Mais après, non, tu t'y fais, et puis voilà, Est-ce que tu t'es senti genre en danger au Liban? Est-ce que c'est un truc un peu dangereux pour quand t'es militaire là-bas? Bah, c'est dangereux dans le sens que là-bas, bah, il y a une milice là-bas, c'est le Hezbollah. Ouais. Et ils aiment pas trop les militaires, enfin, que ce soit n'importe lesquels, hein, genre, c'est surtout l'ONU, en fait, qu'ils aiment pas la présence de l'ONU là-bas. Alors, il se peut que des fois, ils viennent nous caillasser, ou alors qu'ils viennent, il y a des attroupements énormes, ils nous bloquent, ou des trucs comme ça, quoi. Ça, c'est un abonnement. Ouais. Il y a moi qui apparaît en fait. D'accord. Oh putain. Et ouais, donc voilà, quoi, c'est T'as pas. jamais eu peur, genre, d'être blessé ou même pour ta vie là-bas? Non, non, franchement, non, au Liban, non, c'était. Non, c'est plutôt calme après, je veux dire, c'est pas. Une fois, t'avais raconté, je crois, t'avais un mec qui avait marché sur une mine, non? Qui avait sauté sur une Ouais, mine. bah après, oui, il y a eu la fois là, mais. C'était un berger, en fait, c'était au loin, on était en train de patrouiller, on était près de la Blue Line. Et bah, c'était la frontière entre Israël et. Israël. Ouais. Et le Liban. Et bref, on patrouillait et tout. Puis là, au loin, bon, on voyait un berger normal avec ses chèvres et tout. Et puis là, ça, il éclate. Enfin, explosion. Donc les chèvres, le mec avec et tout. Enfin bref, ils avaient tous crevé. Et du coup, on a dû s'arrêter. Donc là, ouais, c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis bien chié dessus. Je me suis pissé dessus littéralement, vraiment. Ça, Ah, c'est pas t'as une vraiment connerie. Ouais, pissé? je me suis vraiment pissé dessus. Alors Ouais. que jamais ça aurait pu arriver, mais ouais, Bah, vraiment, c'est arrivé. tu Et te puis, dis que ça aurait pu être toi, quoi. ah, ça aurait pu être Ouais. moi, ouais. Bah, c'est ça. Puis, bon, bah, du coup, on a fait un chemin de repli. Parce que si présence d'IED ou de mine ou quoi que ce soit dans la zone. D'IED, t'as dit? Ouais, d'IED, en gros, c'est un explosif. On va dire, c'est un explosif caché. Ça peut être, par exemple, une fausse pierre mise sur la route. Oui, mais ça veut dire quoi les initiales de ED? Ouais, des têtes, je pourrais plus te dire, Je mais sais plus.
Ouais, non, je sais plus. En plus, c'est en anglais, non, je m'en souviens plus. Je l'ai entendu faire prout. Et en gros, ce que un IED, c'est quoi? Ça peut être par exemple un bout de carton, Oui, c'est un truc dissimulé, quoi, un en truc gros. dissimulé, un truc qu'on pourrait pas croire que c'en est un, en fait, d'explosif. Improvisé à d'explosifs de Vice. Ouais, voilà, c'est ça. Ça veut dire ça, apparemment. Ouais, c'est ça. Et du coup, quand il y a un truc comme ça qui se produit, vous envoyez la brigade de déminage? Non, bah Ou vous non. évitez juste le lieu En là? fait, en gros, nous, ce qu'on fait, c'est sur la carte, on l'a marqué le lieu. En fait, en gros, après, ce qui va se passer, nous, on va faire un chemin de repli. On se casse. Parce que c'est le plus important, parce que si jamais il y en a d'autres, ou si on se fait prendre en embuscade, c'est chaud. Parce que la fois là, vous étiez loin de votre camp ou pas? Ouais, on était assez loin quand même. Hein. On était assez loin. Je pourrais pas te dire exactement là de tête, mais ouais, on était assez loin. Et du coup, après ça, c'est le génie qui va. Le Ouais. génie. Et ils vont sur zone. Et ensuite, bah, voilà, ils font le tour de l'en-gros de la zone pour voir s'il y a d'autres IED. Ils vont pas tout seuls, évidemment. Et ils utilisent quoi comme technique pour les débusquer? Hein. Ils ont des appareils, des trucs Ils ont bah, ils spécifiques? ont ils ont tout plein de ma ils ont du matos, ils ont c'est des tenues complètement c'est des tenues en Kevlar, bah, c'est vachement protégé, ça donne l'impression d'être un peu comme Michelin, c'est un truc balèze, quoi. Et de ce qu'on m'a raconté, après je les ai pas vus trop en action, mais je sais que là-bas, ouais, ils vérifient un peu avec c'est comme des détecteurs là. Et puis ils vont sur zone et puis ils vérifient. Et ils y vont pas tout seuls, il y a l'infanterie qui vient avec eux, histoire de les couvrir au cas où. Et puis voilà, quoi. Parce que nous, ce qu'on devait faire, c'est. Vu qu'on est une unité de reconnaissance, on devait pas vraiment. On devrait pas vraiment être au combat, tu vois, je veux dire, au riposter. On peut, mais c'est tout le temps en chemin de repli, en fait. On a beaucoup un gros armement, mais nos véhicules, ils sont pas faits Le combat. pour le combat, ouais. Bah, c'est pas des véhicules faits pour l'infanterie, pour des unités au sol, ok. Mais par exemple, nos véhicules, ils bloqueront pas de la 12-7, quoi. C'est des VBL, c'est des petits véhicules. 12-7, c'est quoi? La 12-7, ça va être le calibre 50 américain, si tu veux. Tu vois, une Browning 50, en gros, bah, chez nous, ça va être un calibre 12-7. Ou alors, par exemple, pour le Barrett 50. Et bah, le Barrett 50, ça va être le calibre, ça va être du 12-7. Ok. Voilà. C'est un gros calibre, quoi, en Gros gros. calibre, ouais. Un gros calibre Un et truc qui fait des dégâts. ah oui, ça fait pas mal de dégâts, ouais. Effectivement. Véhicule Ça. lourd, léger, professionnel. T'as Alors. réussi un transcentnoscope, quelqu'un demande. Mais ouais, donc voilà, quoi. Mais bon, il y a tout, oui, voilà, c'est comme Red Dead. Knight, il dit que oui, il y a des régions, elles sont instables, il y a d'autres régions, bah, par exemple, il y a des régions, elles sont musulmanes, il y a d'autres régions qui sont catholiques. Donc après, il y a toujours des petites tensions, des trucs comme ça. Donc sinon, après ça, voilà, il y a eu des hauts comme des bas, mais il y a eu des bons moments quand même. À part ça, ouais, il y a eu des bons moments. Quel risque en s'il déserte? Quel risque si tu désertes? Enfin, c'est quoi les Si risques si tu désertes? je déserte par exemple en temps de paix, là honnêtement, moi de ce que j'ai su, parce que j'ai vu que j'ai des collègues qui ont déserté, et honnêtement, ils n'ont rien eu. Comment dire, c'est beaucoup d'avertissements, ils te demandent de revenir au régiment ou de ça, mais sinon, ils ont rien eu, ils ont Ils ont dû. déserté quand ils étaient en France ou en Ouais, OPEX, je ah ouais, parle. non, quand ils étaient en En France, hein. France. Ouais, non, bah, Parce sinon c'est que trop. déserter en OPEX, c'est un peu compliqué, je pense quand Ouais, même. c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Comme ça, Ouais. non, c'est compliqué. Non, en France, et puis en temps de paix, bah voilà, enfin, tu risques pas grand-chose. Avant, mon père me disait que ils allaient chercher les militaires directement chez eux, et puis ils allaient les mettre en prison, quoi. Ouais. Ils venaient, la police venait, enfin, la police, là, les gendarmes venaient chez eux pour ensuite les ramener. Mais ça, c'était avant. Maintenant, ils le font plus. Maintenant, tu dois juste, tu devras juste rembourser en gros l'armée, quoi. Tu auras une certaine somme à donner et à rembourser. Puis après, basta, c'est fini, t'es radié des comptes. Ouais. Donc voilà, c'est. Quelqu'un dit, au bout de 30 avertissements, t'as un blâme, au bout de 30 blâmes, t'as un avertissement. Ouais, c'est un peu le même. Oui, c'est un peu ça, quoi. Mais
Au final, ça va, tu risques rien si tu désertes, quoi. Ouais. Coco, Big Boss, pourquoi tu dis ça? Vous êtes vraiment des inconscients. Tu en as vu plein des drogués, des bastons, du trafic. L'OPEX, c'est considéré comme temps de paix. Bah, là, non, c'est là, t'es. Ça, tout dépend, en fait. Là, je veux dire, par exemple, quand t'es sous mandat ONU, c'est pas. C'est un temps de paix, oui, mais c'est en gros, c'est que tu dois garder la paix. Il se peut que, voilà, je sais pas, il y ait une attaque ou un truc comme ça, quoi. Mais tu peux pas déserter pendant que t'es en mission. Enfin, je veux dire, c'est pas possible parce que. Ouais. Déjà, tu dois sortir du camp, tu peux pas sortir tout seul. Il te faut une autorisation de ton chef de peloton. Et puis même, t'as une heure où quoi, il faut rentrer. Et puis, si c'est ça, après, ils vont te chercher. Enfin bref, c'est trop compliqué, c'est pas possible. Te barrer, parce qu'après, il faut que tu te débrouilles pour aller à Beyrouth, à l'aéroport. Big Boss, en fait, il est plus dans l'armée. Hein. Ouais. Oui. Et non, ce serait trop le bordel. Ce serait impossible de se barrer comme ça alors que t'es en OPEX. Si t'es en retour en France, oui, là, c'est pas un problème. Il y en a qui l'ont déjà fait, ils sont revenus d'OPEX. Et il y a eu quoi une semaine, on a eu une semaine de vacances. Le mec, il est resté chez lui et puis il est pas revenu. Y a un temps maximum en OPEX que tu peux faire, mais tu pourrais pas faire plus. Ah, le mandat, tu veux dire, bah... Bah, je veux dire, est-ce que, genre, s'ils veulent, tes supérieurs te diront, bah, tu vas partir 2 ans en OPEX. Ils peuvent faire ça ou pas? Non, parce que... Il y a un temps maximal? Ouais, non, on fait pas ça. 2 ans, on fait pas, si... Bah, c'est quoi le temps maximal, si on a... Maintenant, je sais que c'est 4 mois. C'est 4 mois, maintenant. Parce que toi, t'as été 6 mois? Ouais, 6 mois, parce que c'était la dernière OPEX de 6 mois. Ok, tout ça, et ça a changé. Du coup, 6 mois avant, c'était le maximum, tu pouvais pas faire plus. Ouais, voilà, tu pouvais pas faire plus. Ouais, et maintenant, c'est 4 mois, tu dis? Ouais, maintenant, c'est 4 mois. C'est récent. Ouais, c'est tout récent, ouais. C'est assez récent. Ouais. Ok. Maintenant, c'est des OPEX de 4 mois, donc... Ouais, bah après, c'est plus agréable, je pense, parce que c'est que 6 mois, ça fait quand même beaucoup pour un soldat. Parce que quitter sa famille, ses amis, tout pendant 6 mois, c'est chaud. Après, de toute façon, quand tu deviens militaire, il faut quand même être prêt à renoncer à tout ça. Hein, Après, ça va encore... Oui, c'est sûr, t'auras pas de vie de famille, voilà, ce sera... C'est compliqué. C'est compliqué, ouais, c'est vachement compliqué, mais... c'est surtout que t'es pas souvent à la maison, quoi, parce qu'ils peuvent avoir besoin de toi pour... je sais pas, admettons, tu un week-end, tu vois. Même les week-ends, tu vois, c'est pas sûr, parce que ils vont te dire, ouais, tu vas garder le PAF... Enfin, le PAF... Le PAF, c'est quoi? C'est le poste de sécurité, en gros, au régiment. Et ça veut dire quoi, les initiales, tu sais? Ouais, je sais qu'à la fin, le F c'est filtrage, poste. Avancé peut-être, non? Ouais, je crois que c'est ça, poste avancé de filtrage ou un truc comme ça. Ouais. Okay. C'est là où tout le monde passe, les civils, les militaires. Quelqu'un dit poste d'entrée et de filtrage. Ouais, voilà. Non, attends. Bah non. C'est PAF. PAF. C'est poste. Poste d'accueil. C'est... Ouais, voilà. Poste d'accueil et de filtrage. Ouais, voilà, bien joué. Et le poste d'accueil et de filtrage, et c'est là que bah, tous les militaires passent, les civils aussi, quand, par exemple, il y a des livraisons. Paf le chien. Trop drôle. Ouais. Et puis pour les livraisons, pour plein de trucs, quoi. Alors, pourquoi, du coup, as-tu quitté notre belle armée française? Pourquoi? Parce que... Ouais, je j'avais pas envie de re-signer plus, c'était... Et puis même, je veux dire, je rentrais pas souvent à la maison, et puis... Puis même, j'en ai... En fait, au bout d'un moment, j'étais un peu lassé, quoi, j'en avais un peu marre, alors du coup, j'ai pas re-signé, et puis j'ai arrêté là. Tu faisais beaucoup de trucs un peu ennuyeux, non, dans l'armée? Tu faisais des trucs de surveillance et tout, de... C'est ça, au bout d'un moment, ça bougeait plus tellement, donc il y avait quoi? Bon, il y avait les sentinelles, mais même ça, c'était vite lassant, en fait, c'était vite chiant. Au début, quand tu commences, c'est bien, t'es content, mais au bout d'un moment... Parce que les sentinelles, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est quand, par exemple, tu vas te mettre dans une gare et toute la journée, tu vas faire le tour de la gare. Oui, et par exemple, dans un bâtiment, dans un public. Ah, ouais, voilà. Bah, c'est ça, les sentinelles, c'est que ça doit pas être très, très intéressant. Quoi, c'est pas ouf, ouais. C'est, franchement, tu vois du monde. Des fois, il y a des gens, ils sont sympas, ils te disent bonjour, tout comme ça. Ouais, après voilà, mais bon, ça fait pas tout, quoi. Ouais. Tu te fais vite chier quand même. Là, tu peux envisager de monter en grade?
Ouais, je montais un peu en grade, mais c'était dans la continuité de mon mandat, donc enfin de mon contrat. Donc non, après je me suis dit non, j'ai pas voulu continuer, non. Parce que toi, t'étais quel grade là? J'étais brigadier chef, j'étais caporal chef quoi, en gros. Et au-dessus, c'est quoi, c'est sergent? Au-dessus, ouais, c'est enfin, il y a brigadier chef de première classe et après il y a sergent, ouais. Sergent chef. Et puis après, tu rentres dans les noms d'autres grades, encore les grades. Les attends, est-ce que je dis pas de conneries? Ouais, les officiers. Et concrètement, t'as quoi comme avantage quand tu montes en grade? Bah, t'as une petite augmentation de salaire, bah, c'est pas grand chose, ouais. Je crois, c'est 50 euros, un truc comme ça. Et sinon, t'as plus de responsabilités. Tu quoi. Donnes les ordres, quoi. Ouais, bah. Ouais, ouais, t'as plus de responsabilités, ouais, tu donnes les ordres. T'es chef de patte, alors chef de patrouille, donc quand t'es sergent, tu prépares des itinéraires, par exemple, pour entraîner tes soldats, ou tu prépares des entraînements, quoi que ce soit, quoi. Enfin, t'es plus... Parce que le grade le plus bas, c'est quoi? C'est recrue? Enfin, c'est... Ouais, le plus bas, c'est soldat. C'est même pas un grade, en fait. C'est même pas un grade. C'est juste une appellation, tu vois, c'est comme... Okay. Comme première classe. Après ça, tu... Parce qu'en gros, c'est... si tu veux, ça va être soldat, ça peut être seconde classe aussi. Mmh. Après ça, tu passes première classe. Première classe, toujours pas un grade, hein, c'est une distinction. Ouais. Ensuite, après ça, tu passes brigadier. Brigadier, là, tu peux commencer à donner des ordres. Bah, seulement ceux qui sont en dessous, hein, première classe et soldat. Mmh. Et bon, après, l'avantage de ça, c'est que tu peux commencer à faire des cours, à donner des cours. Ouais. Des petits cours hein, qui sont de ton niveau, hein, pas des trucs trop qui rentrent trop dans le vif du sujet. Mais tu peux donner à des mecs de faire les TIG, toi tu les feras plus par contre. Les TIG, travaux ouais. D'intérêt général. C'est ça. Ouais. Genre ça va être nettoyer le bâtiment, tu vois. Enfin des trucs que toi tu t'aurais fait avant, mais là tu le fais plus quoi. Donc bon, ouais. Ça c'est bien, ça c'est l'avantage, tu... C'est l'avantage. Après, sinon, je veux dire, ouais, quand t'es brigadier, t'emmènes les mecs à l'ordinaire. L'ordinaire, c'est le réfectoire qu'on l'appelle comme ça. Réfectoire, c'est là où vous mangez, tu veux dire? Ouais. L'ordinaire? Ouais, on l'appelle ça comme ça. J'ai jamais su pourquoi. Enfin, personne n'a jamais su, en fait. D'accord. Mais, enfin, moi... Bon, alors si, peut-être les gens le savaient, mais moi, je sais pas. Mais t'es sûr que c'était pas que dans ta caserne qu'ils disaient ça? Non, 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 partout. Partout. Ils le disent partout, ouais. Ok. Ça, je le sais, ouais. Et puis, non, sinon, c'est des petites tâches, quoi. On va dire c'est des petites tâches ingrates que tu vas leur faire faire aux soldats et aux premières classes. Mais sinon, voilà, c'est juste que tu as un peu plus de responsabilité, quoi. C'est dur, c'est un peu mieux, quoi. C'est bien. Ouais, c'est bien quand même. Ouais, quoi. J'imagine. Ouais. Ouais. Bon, bah, c'est cool. Voilà. Et du coup, moi, je le sais, hein, mais tu fais quoi en ce moment? Tu veux le dire ou pas? En ce moment, oui. En ce moment, là, je suis en intérim avec Manpower. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec l'armée. Hein. Ouais, rien à voir, hein, clairement. Et puis là, je bosse à l'usine de pont à Saint-Gobain. C'est là où ils font... les plaques d'égout. Ouais, toutes les plaques d'égout que vous pouvez voir dans la France. Dans le monde. Dans le monde, ouais. Ouais, dans le monde, ouais. Et puis, du coup, bah voilà, ce que je fais, les tâches que je fais, c'est... Je tape essentiellement à la masse, au marteau, pour en gros, on appelle ça ébarber, mais c'est.
pire que le piano, ça. Va faire un petit tour sur Facebook.